Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien en ce 10 novembre. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un texte qui, je pense, n'est pas fort connu ou il est mal compris parce que la version Louis II le traduit d'une manière qui n'est pas très claire. Et pour ce faire, j'aimerais le prendre dans d'autres versions. Nous allons le prendre premièrement dans la Bible Darby. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Dans la version Darby, il nous est dit « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est « L'onction de l'Esprit de Dieu ». Et une autre version, mon frère, ma sœur, est dans la Bible du Semeur, Ésaïe chapitre 10, verset 27, nous est interprétée comme ceci. « En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. » Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Et regardez un peu ce témoignage. Un jour, alors que je prêchais dans l'est du Texas, dans une église, le pasteur de cette église me demanda « Frère, vous souvenez-vous de mon fils ?»« Oui, je m'en souviens, lui répondis-je. Il est à l'université maintenant dans le Texas. Vous savez, depuis l'âge de 12 ans, il souffre d'asthme et de problèmes respiratoires qui y sont liés. J'ai prié et jeûné. Nombreux sont ceux qui ont prié en lui imposant les mains. Eh bien, il vient de nous appeler, il a eu une crise terrible. » Et le pasteur me dit, « Voilà un de ses mouchoirs. J'aimerais que vous y imposiez les mains, et je le lui enverrai. » J'y imposai les mains, et il le lui envoya. Plusieurs années plus tard, je prêchais à une réunion pour ce même pasteur. Son fils avait terminé ses études et travaillait à cette époque en tant que commercial. Il avait eu beaucoup de succès. « Frère, me confia le pasteur, il n'a plus jamais eu une crise d'asthme depuis que ce mouchoir l'a touché. Il doit y avoir une raison. Depuis son enfance, ce garçon souffrait de cette gêne, mais elle disparut instantanément. La raison, sans aucun doute, l'onction de l'Esprit de Dieu. » Vous savez, mes frères et mes sœurs, nous voyons qu'aujourd'hui le peuple de Dieu est dans l'église en train d'attendre une bénédiction. Une bénédiction qui peut être, comme nous le voyons là, une guérison. Une bénédiction qui peut être, comme on l'a lu, une prospérité. Nous connaissons beaucoup de personnes qui à chaque fois, elles perdent leur travail ou n'arrivent pas à trouver de travail. Nous voyons les églises qui sont remplies de célibataires qui n'arrivent pas à trouver chaussure à son pied, comme on dit. Ils n'arrivent pas à trouver, je veux dire dans le jargon biblique, plutôt son aide qui lui convient. Que ce soit, il est vrai, Adam, quand Dieu a créé Ève, Adam a dit « Voici une aide qui m'est semblable ». Semblable veut dire que ce n'est pas non seulement le job de la femme de pouvoir aider son mari, mais c'est aussi le mari de pouvoir aider sa femme. Je crois que, et Karine le dit bien souvent les couples sont en compétition l'un contre l'autre. Et il est vrai que si on démarre une relation matrimoniale. Je ne vais pas parler de concubinage parce que nous savons que c'est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Même ce qu'on appelle malheureusement aujourd'hui ces mariages coutumiers qui a une coutume qui est faite en Afrique, je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu, c'est qu'un homme et une femme, devant les autorités de ce monde, déclarent que voilà, nous croyons au mariage. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous croyons en cette institution qui a été créée par Dieu. Amen. Et je pense que nous devrions, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devrions mettre en avant ces choses, mon frère, ma sœur. Nous voyons
que malheureusement aujourd'hui, à cause de faux enseignements, parce qu'il est mis, c'est l'onction qui brise le joug. On voit que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14 au verset 15, il nous est dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Nous voyons que le diable aime copier. On voit que aujourd'hui, quand un homme et une femme sortent de chez leurs parents, ben, il y a cette coutume ici en Europe où les gens d'abord essayent. Mais la Bible ne nous parle pas d'essayer. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a tous ces ministres qui sont déguisés en ministres de justice qui vont à l'encontre de ce que Dieu a mis. On le voit ici qu'il y a pas mal de chrétiens, comme je le disais, sont dans les églises. Ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à enfanter. Nous voyons qu'il y a tout ce joug qui est là. Combien de fois, et même Karine pourra peut-être l'expliquer plus tard, qu'elle-même, elle a prié pour des personnes et ces personnes ont eu leur enfant. Comme on dit aujourd'hui, combien ont été surpris d'être tombés enceintes. Mais là, nous voyons des personnes qui essayent d'avoir, ce sont des couples mariés, ils essayent d'avoir un enfant, ils n'arrivent pas à l'avoir. On voit qu'il y a un joug qui est là. Et on voit que, généralement, ces ministres de Satan, mais bien entendu, ne vont pas travailler contre Satan. Bien entendu, ils ne vont pas avoir la pensée de Dieu, ils vont avoir cette pensée de Satan, où ils vont laisser les frères, les sœurs, tout le temps dans ce joug. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le temps que Karine et moi nous prenons pour faire ces audios, pour vous enseigner, pour vous montrer la vérité. Nous voyons, nous avons pris ces passages bibliques-là. Moi, j'aime, et à l'église de Bon Samaritain, ils le savent, et d'ailleurs, tous les mardis, maintenant, je vois que les fidèles du Bon Samaritain aiment à prendre un passage biblique dans une version, mais ils aiment à le prendre dans une autre version parce que nous voyons que nous avons soif de vérité. Ils n'ont pas l'envie de rester dans le mensonge. Ils ont soif de vérité. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné. Vous savez, il y a d'innombrables livres chrétiens, dits chrétiens, qui sont en vente dans des librairies, mais combien sont réellement chrétiens? Combien sont réellement dans cette perspective de ce que dit la Bible? Ça peut nous aider, je ne dis pas le contraire, mais vous savez, la plupart des livres que nous avons aujourd'hui, quels sont ces livres qui nous fortifient ou qui nous encouragent? Je crois qu'ils sont peu. Vous pouvez prendre 100 livres, si vous arrivez à un nombre de 10, mon frère, ma sœur, qui vont réellement t'enrichir, qui vont réellement te booster, réellement te relever, mon frère, ma sœur, ils sont peu. Et comme je dis, le but n'est pas de jouer avec les émotions des fidèles, comme avec ces émissions. Certains peuvent penser que voilà, nous faisons ça juste pour mettre notre ministère de l'avant, notre église de l'avant. Non, nous ne faisons pas pour ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er janvier, nous sommes là à votre chevet. Nous sommes là dans votre maison. Vous nous invitez dans votre maison et vous nous permettez de prendre ensemble notre petit café matinal. C'est pas vrai, ma chérie? Amen, amen. Et donc, vous voyez, mon frère, ma sœur, nous avons envie et soif de faire des disciples. Non pas des disciples de Salvatore et de Karine, mais des disciples de Jésus-Christ. Comment? En prenant la parole de Dieu. Et on voit que ces églises, j'imagine que les personnes qui ont prié, ben, il n'y a pas eu de souci. Et on voit que combien aujourd'hui, je sais qu'au travers de cette prédication, de prier au travers de mouchoirs et de les imposer à d'autres frères et d'autres sœurs, c'est quelque chose qui est biblique. Mais je sais que certains ministres de Dieu vont se lever contre ça, mon frère, ma sœur. Parce qu'ils vont dire, mais c'est de la magie, c'est de ci, c'est de là. Non, c'est biblique. Jésus le faisait. L'apôtre Paul le faisait. Il y a toutes des choses. Je ne sais pas si vous imaginez quand vous regardez Jésus faire de la boue avec sa salive et prendre cette boue qu'il a fait avec sa salive et venir l'imposer sur les yeux des aveugles. Mais nous voyons qu'il y a un résultat. Il y a une guérison à la clé. Il y a quelque chose qui est fait, qui est produit et qui arrive. Comme nous l'avons expliqué de notre sœur qui vient à l'église, notre sœur Madeleine, qui est venue, qui a voulu son miracle et qui a eu son miracle. Mais je vois aussi l'attitude que c'est pas non seulement parce qu'elle a eu son miracle que c'est fini, elle ne vient plus à l'église. Non, elle est là, elle est persévérante dans l'assemblée des saints. Elle a trouvé une église qui lui plaît, une église
qui lui a procuré la vérité et elle a réussi. Et bien souvent, je sais que quand on essaye, comme un exemple avec ces émissions, vous pourriez être fâché face à Karine et Salvatore parce que vous n'obteniez pas votre guérison. Mais à la place d'être fâché, mon frère, ma sœur, regarde que peut-être il y a une chose que tu dois changer dans ta manière de croire. Comme je l'ai dit quand la sœur a témoigné à l'église, je l'ai dit, c'est bien qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui sont venues s'avancer. Mais Madeleine a été différente. Madeleine a fait quelque chose de totalement différent. Et c'est ça que nous devons chercher. C'est chercher de faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est chercher les choses aussi que Dieu veut que nous fassions. Si je m'avance pour avoir une prière de guérison, et je n'ai pas envie de guérison, mon frère, ma sœur, parce que voilà, j'ai d'autres avantages. Ça ne sert à rien que je fasse prier un frère, une sœur, même, excusez-moi le jargon, le pape dans le domaine catholique. Ça ne sert à rien que je le fasse prier. Il n'y a rien qui va se passer, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde l'attitude de notre cœur. Et je sais que quand notre attitude de cœur est en phase avec ce que Dieu dit dans sa parole, le miracle se produit à tous les coups, mon frère, ma sœur. Dieu ne laissera pas un de ses enfants être malade et mourir de maladie. Non, parce que si nous avons la révélation de la parole de Dieu, si nous avons la révélation que Jésus-Christ est venu et il est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi que par ses meurtrissures, je suis guéri, et c'est dans le corps, eh bien mon frère, ma sœur, croyez que vous allez être guéri et vous le verrez s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma sœur. Vous avez tous ces témoignages que Karine a épinglés, que Karine a laissés dans les commentaires, mon frère, ma sœur. Il suffit de regarder tous les commentaires à partir du 1er janvier. Vous allez voir le nombre inestimable de guérisons qu'il y a eu. Et je suis sûr et certain que quand tous les fidèles qui écoutent cette émission partageront, aimeront et d'autres personnes iront vers cette chaîne qui vont écouter l'enseignement, mon frère, ma sœur, d'autres commentaires vont venir s'ajouter à ces commentaires-ci parce qu'il va y avoir des miracles innombrables, mon frère, ma sœur. Innombrables. Ce n'est pas rien que pour cette année, mais c'est aussi pour les années futures, mon frère, ma sœur. Oui, c'est pour les années futures parce que Dieu ne change pas. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Et mes bien-aimés, j'ai une excellente surprise pour vous. Nous allons faire plus que simplement parler de ce témoignage de notre sœur Madeleine qui vient fidèlement à l'église. Nous allons l'écouter ensemble afin que vous soyez encouragés et fortifiés et que vous aussi vous preniez exemple sur sa façon d'agir et que vous puissiez vous aussi recevoir votre guérison. Soyez bénis mes bien-aimés. Amen. Comme j'ai témoigné il y a 15 jours, en fait, hier, ça fait de cela 3 ans qu'on m'avait trouvé des nodules au niveau du sein. Donc, je suis suivi chaque fois, chaque année. Donc, je dois passer l'échographie et la mammographie pour voir si ça n'évolue pas. Parce que si ça évolue, il faut penser à opérer et tout. Alors, j'ai commencé par moi-même. Quand j'ai eu ces messages, les diagnostics médicaux disant que j'ai des nodules au sein, j'avoue que j'avais peur. J'ai commencé déjà à me dire, pas à cet âge, je ne vais quand même pas avoir ablation des seins. Et mes enfants et tout, tout commençait à défiler. Un jour, je suis tombé par YouTube, vu qu'il y avait aussi des confinements, des messages concernant les témoignages. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait à ces gens-là, tu peux aussi les faire pour moi. Et j'ai commencé à écouter les messages. Un peu, j'ai dit à moi-même, je vais seulement commencer à écouter les messages concernant foi, guérison et témoignage. J'ai dit, d'autres renseignements, ça viendra plus tard. Mais pour le moment, pour me fortifier, j'ai vraiment besoin d'entendre tout ce qui est foi, guérison et témoignage. Ben, j'ai commencé à écouter un jour, comme par chance, et je suis tombé aussi à l'enseignement à la chaîne Karine 7707. Qui parlait aussi des foi et guérison, ben j'ai commencé à mettre tout en pratique. Et il y a vraiment un verset, j'ai eu deux versets qui sont venus comme ça en tête. Donc c'était un Michée, ça j'ai noté quand même, pour ne pas lire. C'était Michée chapitre 7, verset 7 qui disait, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel
Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Je dis, Seigneur, je vais mettre mon espoir en toi parce que si ces gens-là ont fait confiance en toi, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas, que tu accomplis toujours ta parole, et moi aussi, je me suis vraiment accroché sur cette parole. Et à 1 Pierre 2, 24, dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, si nous avons été guéris, donc je l'ai su aussi. Donc, j'ai vraiment fait confiance en tout ça et j'ai commencé pendant ce moment-là, même si pas passé plus d'une heure, mais passé quand même ne fût-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, rien qu'en disant la parole, j'ai dit, même si je ne comprends pas comment prophétesse vient de dire que j'ai pu beau lire plusieurs fois le même verset, mais il n'y avait vraiment pas une révélation. Mais quand vraiment ces versets-là de 1 Pierre 2, 24 et de Michée 7 qui est passé à moi, j'ai dit, mon Dieu va m'exaucer, il m'exaucera. Comme il a exaucé d'autres personnes, il va l'exaucer. Alors là, je suis allé, c'était les rendez-vous cette année, il y a presque un mois. Donc je suis allé faire la mammographie. Ben, l'infirmière a fait et puis a dit, attends, le médecin doit venir pour faire l'échographie. Et le médecin, quand il est venu, il a fait l'échographie, il dit, écoute, je ne vois rien. J'étais là. Bon, vous ne voyez rien. Il dit, ben, il n'y a rien d'anormal. J'ai dit, par rapport, il n'y a rien d'anormal maintenant ou quoi? Il dit, ben, parce que ce n'était pas le même qui m'a fait avant. J'ai dit, il n'y a pas rien d'anormal par rapport aux autres trucs ou quoi? Il dit, non, je n'ai pas encore vu vos anciens clichés. Je vais vérifier et voir. Et ben, il a vérifié l'ancien cliché. Et ben, bien sûr que les nodules étaient bien présents. Et ce que j'ai fait il y a un mois, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je remercie le Seigneur. J'ai dit que Dieu est vivant. Amen. Et sa parole est efficace. Il faut vraiment croire, comme on a eu, j'ai dit passé, croire et persévérer. Amen. Dieu exauce ses enfants. Amen. Amen. En fortifiant d'entendre tous ces témoignages, je rends gloire à Dieu. Je veux juste ajouter une chose. Moi, je sais précisément le moment où tu as été guérie, Madeleine. Le moment où tu as été guérie, c'est ce jour où tu t'es avancée à un appel et que le pasteur a fait l'onction d'huile pour la guérison. Et ce jour-là, je l'oublierai jamais, je me suis souvenu que tu as, une fois que le pasteur a prié, qu'il a fait la prière de guérison, tu as pris le mouchoir, tu as voulu reprendre le mouchoir pour l'apporter chez toi et le diviser en petits morceaux pour bénir aussi tes enfants. Et cet acte-là, ma sœur, a compté dans les cieux. Je suis certaine que c'est ce jour-là que tu as reçu ta pleine restauration. Et je rends grâce à Dieu pour cette foi que tu as eue, parce que beaucoup ne l'ont pas de cette manière. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cet acte que tu as fait. Tu as mis ta confiance dans l'acte prophétique qui avait été fait et tu as cru jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Amen. Moi aussi, je peux te confirmer que c'est ce jour-là. Ce jour-là, j'avais dit à Karine, j'ai dit, Madeleine a fait quelque chose que peu ont pensé à faire. C'était de prendre ce... On me dit, c'est un acte qui peut être banal, mais quand tu veux quelque chose, tu vas faire plus que tout ce que tout le monde te demande de faire. Et si c'est pas que j'ai dit, prenez-le, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous rappelez, je me désinfectais les mains, on prenait un scotex, un mouchoir, on l'oignait d'huile. La Bible me le dit, quelqu'un est malade, il me demande l'onction d'huile, je vais le faire. Et c'est ce qu'on a vu comme Réma. Je me dis, voilà, tu vas prendre, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Je remercie Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de Madeleine. Dieu ne nous apprend rien au travers de la maladie. Dieu nous apprend une seule chose, que son Fils est venu sur cette terre, et par ses meurtrissures, comme notre sœur Madeleine l'a dit, nous sommes guéris. Et nous mettons notre foi sur ça. C'est le réma de cette église. La maladie ne tient pas devant Dieu. Elle a été vaincue à la croix il y a 2000 ans d'ici. Et nous maintenant, nous sommes ses ambassadeurs, et nous proclamons le message que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Amen. Quel merveilleux témoignage. Vous avez entendu, mes bien-aimés, de quelle manière notre sœur a réagi. Elle ne s'est pas contentée de s'avancer, donc elle a cru premièrement, ensuite elle s'est avancée à l'appel qui a été fait et elle a mis sa foi dans cette prière que le pasteur a fait à son égard pour sa situation. Elle a reçu l'onction d'huile comme nous le prescrit la parole de Dieu
et elle avait mis toute sa confiance dans ce geste prophétique. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ce geste, elle a été bien plus loin, bien au-delà de tout cela. Elle a voulu repartir avec le mouchoir qui avait été oint d'huile et dont elle avait posé sa foi qu'elle recevrait cette guérison. Et elle est repartie avec afin de le partager au sein de son foyer, afin que ses enfants et son mari puissent eux aussi recevoir leur part de la bénédiction. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, que nous devons réagir. C'est ainsi que nous devons faire dans chaque domaine de notre vie. Nous recevons la bénédiction, mais nous ne la recevons pas pour la tenir pour nous, pour notre propre guérison personnelle, pour notre propre besoin personnel. Mais nous allons encore plus loin et nous voulons bénir encore ceux qui nous entourent par l'onction qui a été déversée par les mains du serviteur ou de la servante qui prie. Mes bien-aimés, j'ai vraiment cette confiance que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons parce que, comme nous le disons bien souvent, nous n'avons pas aimé le ministère avant Dieu. Mais ça a été bien le contraire. Nous avons d'abord aimé Dieu personnellement. Nous l'avons reconnu comme notre Sauveur, notre Seigneur. Nous l'avons reçu dans notre vie personnelle. Et cela a été automatique dans notre vie. Nous avons de suite voulu bénir ceux qui étaient autour de nous. C'est comme si nous avions reçu un merveilleux trésor, une grande malle remplie de trésors, et que nous avions tout de suite voulu partager ce merveilleux trésor avec ceux qui étaient autour de nous. Et comme Dieu a été témoin de notre attitude, il n'a cessé de mettre des personnes à nos côtés pour que nous puissions les aider à leur tour à prendre possession de leur propre bénédiction pour leur vie personnelle. Et c'est ainsi que nous devons faire, mes bien-aimés. L'onction n'est pas quelque chose que l'on retient pour soi. L'onction est quelque chose que l'on veut déverser autour de nous, dont on veut faire bénéficier ceux qui sont autour de nous. Je suis béni pour bénir en retour. Je suis pardonné pour pardonner en retour. Je suis sauvé pour sauver d'autres en retour. Et c'est ainsi pour toute bénédiction que nous recevons, mes bien-aimés. Nous avons reçu de la part de Dieu beaucoup de paroles, beaucoup de clés pour notre propre vie, mais jamais nous n'avons voulu les tenir pour nous-mêmes. Nous avons tout de suite voulu partager avec ceux qui étaient autour de nous et avec tous ceux que Dieu aurait permis que nous puissions les partager. Nous avons tout de suite dit « ceci ne vient pas de nous ». C'est une solution à des problèmes qui sont permanents dans le peuple de Dieu et dont les enfants de Dieu doivent être au courant. Quand Dieu révèle quelque chose, mes bien-aimés, il faut toujours lui poser cette question en lui disant « Seigneur, est-ce que c'est simplement pour ma propre vie, ma propre situation ? Ou est-ce que ceci pourrait aider d'autres personnes qui sont de la même manière oppressées par ce même problème que moi ?» Nous devons aller plus loin, mes bien-aimés. Plus loin que nos yeux nous montrent ou que notre petite personne. Dieu nous bénit premièrement afin que nous puissions bénir les autres. Dieu suscite des hommes et des femmes, il les établit en tant que ministres pour l'Église, afin que tous les membres de l'Église soient fortifiés, afin que tous les membres de l'Église soient construits, enseignés, restaurés, qu'ils arrivent tous à la stature parfaite de Christ. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'enseignons pas pour notre propre gloire, pour avoir un nom, une renommée, un titre. Tout cela n'a aucune importance. Nous enseignons le peuple de Dieu parce que nous avons reçu les clés nous-mêmes pour nos propres vies, nos propres problèmes. Et nous voulons que d'autres sortent de tout cela. Comme un jour Jésus-Christ a dit « Lazare, sors !» Eh bien nous-mêmes, nous voulons vous dire la même chose, mes bien-aimés. Mon frère, ma sœur, sors de ce problème, sors de cette difficulté, sors de cette maladie, sors de cette division qu'il y a au milieu de ta famille. Je te le dis, mon frère, ma sœur, encore aujourd'hui est un jour de victoire. Mets en pratique toute la parole de Dieu et tu verras si ce Dieu-là que nous servons n'agit pas en ta faveur. N'ouvre pas les portes que personne n'a jamais ouvertes pour toi. Dieu n'est pas limité.
C'est un Dieu illimité, sans aucune limite. Ne le limitons pas par nos propres raisonnements. L'onction de l'Esprit de Dieu est puissante pour briser le joug. L'onction de l'Esprit de Dieu est puissante pour briser tous les jougs. Amen. Quel que soit ce joug qui te retient prisonnier aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sache que l'onction de l'Esprit de Dieu est assez puissante pour faire tomber ces chaînes, pour ouvrir les portes de la prison qui te retiennent, pour tous ces blocages, pour qu'ils puissent être brisés au nom puissant de Jésus-Christ, par l'onction de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je le déclare, et déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur, l'onction fait éclater le joug qui me tenait prisonnier. Cette onction est assez puissante pour briser tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Tout joug dans ma vie est aujourd'hui détruit au nom puissant de Jésus-Christ grâce à l'onction que Dieu déverse dans ma vie, aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Mes bien-aimés, je vous bénis encore en ce jour. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.